Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis très contente de discuter un peu aujourd'hui avec toi de ta toute dernière œuvre, catalogue, qu'on présente dans le cadre de l'exposition collective Le spectre des objets à Sporobol. Catalogue, c'est une œuvre qui parle à la fois du numérique comme processus et d'une certaine nostalgie du passé qui est plutôt liée à l'analogique, on va dire. Comment est né ce désir de faire cohabiter ces deux paradigmes technologiques? Catalogue, c'est une réponse directe à l'œuvre précédente que j'avais faite à AxneO7 Plus, qui était une œuvre que j'avais vraiment essayé d'enlever tout ce qui pouvait être humain dans l'œuvre pour que ça soit vraiment pas personnel du tout. J'utilisais des formes géométriques simples, des couleurs répétitives, c'était dans un espace de galerie assez neutre. Donc, j'ai voulu, avec Catalogue, un peu faire la paix avec le personnel, mais de façon plus intelligente pour que ça soit plus seulement mon personnel à moi, mais plus en utilisant des souvenirs, des objets qui font un peu partie de la mémoire collective, qui sont souvent assez banals. Donc, c'est pas vraiment l'œuvre qui parle de mon passé nécessairement, mais qui est plus ouverte aux gens, parce que j'ai quand même eu un passé tumultueux qui fait que je peux facilement aller dans de l'art qui est assez personnel, ce qui crée des œuvres assez fermées finalement, puis pas toujours intéressantes. Donc, je voulais un peu faire la paix avec ça. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment. Il n'y a rien qui montre spécifiquement une histoire qui m'est arrivée. C'est plus symbolique, ou des fois il y a des petits moments, mais c'est pas une œuvre qui fait qu'après je me sens mal à l'aise de raconter qu'est-ce qui m'est arrivé, ou, tu sais, c'est vraiment comme un peu comme une visite chez sa grand-mère. Puis je trouve ça assez drôle, en fait, d'utiliser de l'image de synthèse pour faire des objets un peu vieillots, bruns, puis en dentelle. C'est ça, ça me fait rire. Puis ça crée un aspect décalé aussi de voir de l'art numérique qui parle de trucs un peu analogues. Bien, comme l'horloge coucou à la. Qui est là à un moment donné. Il y a un écran numérique, mais il y a aussi des aiguilles, donc ça fait que ça crée une ambiguïté, puis ça fait que l'œuvre n'est pas vraiment, c'est pas vendable, on peut pas l'acheter vraiment, ça sert comme un peu à rien. C'est comme anachronique. Oui. Oui. Puis il y a un effet de contraste hyper fort, en fait, entre une espèce de nostalgie collective, puis ou même une espèce de futur inventé, on n'est pas certain. Oui, mais j'aime beaucoup ça, faire des collisions entre des temps différents, des objets qui fonctionnent pas vraiment ensemble nécessairement. Il existe un espace conceptuel de la CGI, de l'animation par ordinateur, qu'on nomme Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, où le degré de ressemblance avec le réel est juste assez décalé pour générer un malaise. Dirais-tu que ton travail habite dans la Uncanny Valley? Bien, je me suis questionné là-dessus, on m'en a déjà parlé, mais la réponse, je ne sais pas si c'est oui ou non, parce qu'il y a une partie de moi qui sent un peu dépendant de la technologie. Donc, c'est sûr que là, j'ai un ordinateur qui est plus puissant, qui me permet de créer des images qui ressemblent au réel beaucoup. Mais pour cette œuvre-là, j'ai aussi utilisé une fonction pour diminuer mes temps de rendu qui coupe un peu l'aspect surréel. Donc, souvent, je vais quand même prioriser les temps de rendu, puis que l'image, à la fin, ça soit satisfaisant. Puis, je pense pas que copier la ressemblance, c'est ma priorité. Ouais. Dans ce sens-là, tu es pas mal proche de la Uncanny Valley parce que justement, sans copier la ressemblance, justement, tu es comme un degré au-dessus, un degré en dessous, tu es comme à côté. Donc, il y a comme un. Bien, j'utilise des recettes de texture pour, par exemple, des fois, il y a comme de la texture qui est très flat, qui ne ressemble pas du tout à la réalité, mais dans son contexte, on comprend que c'est, mettons, de la lumière. Donc, c'est sûr que je vais utiliser des recettes que moi, j'aime, parce que je trouve que c'est beau esthétiquement. Puis sans que ça soit une copie de la réalité, si dans l'ensemble de l'œuvre, on comprend dans le contexte, ça c'est de la lumière, ça c'est.
je sais pas quoi, là, du plastique. C'est pas nécessairement obligé, selon moi, qu'on reconnaisse que ce soit comme une photo non plus. Donc, je sais pas si ça veut dire que oui ou non, je fais partie de ça. Parce que ma préoccupation première, c'est vraiment soit le message que je veux donner ou l'esthétique que je veux. Puis si ça ressemble à la réalité, ben c'est bon. Puis si ça ressemble pas, ben c'est bon aussi. C'est variable. Oui. Il y a la présence d'un alphabet inventé dans le catalogue. C'est assez intriguant. Est-ce que c'est la première fois que tu utilises ce type de stratégie qui suggère une communication, mais qui est incommunicable, finalement? Puis qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de catalogue? Non, c'est la troisième fois. Ah oui, OK. La première fois, j'avais fait une œuvre, c'était dans l'espace. Puis l'alphabet inventé, c'était pour le générique. Donc, c'était soit des extraterrestres ou des humains éloignés, très éloignés. C'est vraiment science-fiction. La deuxième fois, c'était vraiment pour qu'on puisse pas lire ce qui était écrit, pour que ça soit pas personnel du tout, puis qu'on soit pas capable de se rattacher à l'œuvre, soit sur mon personnel à moi ou le personnel des gens, que c'est vraiment le texte sert seulement à être une forme. Puis ici, c'était pour jouer avec l'ambiguïté de capitaliste et art. Donc, c'est un produit qui est en promotion, mais on peut pas vraiment l'acheter parce qu'on n'est pas capable de lire ce qui est écrit. Puis les logos, c'est ça aussi, c'est tout comme des formes. Mais il y en a que j'ai fait des recherches aussi typographiques des années 60 à 80, qui sont pas vraiment j'ai pas choisi ce qui était nécessairement le plus beau esthétiquement, mais ce qui était vraiment représentatif d'un souvenir. Puis j'ai changé les lettres pour qu'on puisse pas lire ce qui était écrit, pour qu'on puisse pas l'acheter. Oui, en fait, tu as modifié les lettrages là, vraiment au point... Tu es parti de lettrages réels, puis tu les as amenés jusqu'à être illisibles, en fait. Oui, okay. Ouais, ouais. Mais j'ai fait des recherches. Il y en a quelques-uns que c'est pas à partir de lettrages réels. Il y en a aussi que c'est à partir... de typographies inspirées, qui ont un look un peu rétro, mais il y en a vraiment que c'est le font que tu disais chez McDonald's des années 70. Là, ça dépend. OK. Puis, juste une dernière question, en fait. Parce que là, il y a un certain nombre d'objets. Est-ce que c'est amené à appeler à être une série qui va se bonifier avec le temps? Oui, oui. Oui, c'est comme la partie 1. Donc là, il y en a 9. Il va peut-être en avoir 10. Il y en avait un dixième que j'ai... Je n'étais pas satisfait, je l'ai enlevé, puis je suis bien content de l'avoir enlevé. Mais là, je suis en train de faire l'écran à l'horizontale. Donc éventuellement, il y a les objets à l'horizontale. Fait que là, j'ai fini vertical, puis il reste horizontal. Fait que ça va devenir un diptyque, éventuellement. Un diptyque. Il y a d'autres parties aussi qui sont en travail. J'ai comme l'impression que ça m'offre... ce projet-là, il m'offre une possibilité vraiment d'aller loin puis de pas être tanné de ce que je fais. Puis ça... Je sais pas, en fait, ce que ça va donner à la fin, mais ça m'inspire. Ça peut être en cours infiniment. Oui. Super. Bien, merci, Philippe. Bien, merci, Nathalie.